Au Sri Lanka, la crise des déchets a pris des proportions éléphantesques, obligeant d'ailleurs ces pachydermes à y patauger. Les images ont ému jusqu'au sein du gouvernement, qui veut faire entrer en vigueur une loi interdisant le plastique à usage unique. Si vous regardez les chiffres, chaque jour, 20 millions de sacs de courses et 10 millions de bouteilles en plastique sont utilisés. Presque tous les articles sont mis en décharge. Couverts, gobelets et pailles sont notamment visés, mais la mise en œuvre de cette réglementation s'annonce compliquée. Les emballages alimentaires sont par exemple interdits depuis 2006, mais la mesure est restée lettre morte auprès des fabricants. Nous les attaquons régulièrement, mais ce n'est pas ainsi que nous résoudrons le problème. Outre le non-respect de la législation, le Sri Lanka fait face à une crise économique historique et il a du mal à traiter ce qu'il produit. L'amoncellement de déchets pose aussi des problèmes sanitaires, car il serait à l'origine d'une recrudescence de la dengue, une maladie potentiellement mortelle transmise par les moustiques.